Santos. Et les jeunes vont en bonne position avec Paré qui va marquer pour son premier match. Le premier but de la partie tombe de la crosse de Francis Paré qui se signale de la meilleure des manières. Avec les Genevois, le large sourire du Québécois. Il est en train de discuter avec les hommes qu'il a gardés sur le banc. Les Genevois font tourner et marquent. Alors qu'Arnaud Delcourteau tient quelques théories, c'est Gerby qui trouve la faille. Spalding, ça finit au fond. Eh bien voilà les Genevois qui assurent leur succès à 6 secondes et 4 dixièmes de la sirène le long de la bande, la récupération est 3 à 0. Avec cette victoire, c'est terminé à Davos, belle victoire de l'équipe de Chris Maxorley qui s'impose 3 à 0, permettant ainsi aux gardiens de fêter un deuxième blanchissage cette saison après le 5 à 0 face à Lugano au mois d'octobre. Robert Maier a été...